En juin dernier, lors de la conférence des développeurs, Apple nous a annoncé l'application Journal. Lorsqu'iOS 17 est sorti, l'application n'était pas présente, mais cette semaine, avec la mise à jour iOS 17.2, on a eu la chance d'avoir Journal. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'application, ce qu'on peut faire avec, les réglages, les paramètres de sécurité qu'il faut mettre en place. Et dans la deuxième partie, pourquoi c'est une bonne idée d'avoir un journal personnel. Alors, lorsque vous ouvrez Journal, l'application est assez minimaliste. Vous voyez d'abord votre flux, vos pages de journaux que vous avez pu créer au fil du temps. Vous avez en haut à droite un bouton pour trier, parce que dans un journal, vous allez pouvoir mettre toutes sortes de types d'informations. Et en bas, un gros bouton plus pour ajouter une page dans votre journal. Alors, dans les réglages, c'est simple. Vous allez dans les réglages, vous allez dans l'application Journal et après ça, vous avez toutes les options qu'il faut configurer pour que votre journal soit intéressant. Alors, le premier, c'est de donner la position exacte pour se me remémorer des souvenirs. De donner accès aux photos, c'est aussi très pertinent. Vous pouvez ignorer ou activer les suggestions. Alors, ce que ça va faire, c'est quand vous ouvrirez Journal, vous aurez des suggestions de pages à faire. Vous pouvez, et je vous le conseille fortement, verrouiller votre journal avec votre Face ID ou un code pour qu'il reste vraiment personnel. Et vous pouvez aussi configurer un programme d'écriture. Alors, ça vous obligera ou ça vous enverra une notification à une journée et une heure précise. Après ça, c'est assez simple à utiliser. Pour le moment, elle est assez minimaliste comme application, mais elle est quand même bien intégrée dans l'écosystème d'Apple. Vous pouvez faire des nouvelles pages en ajoutant des photos. Surtout si vous avez activé la suggestion, automatiquement, vous allez avoir des nouvelles photos apparaître. Vous allez avoir des nouvelles découvertes de musique que vous avez écoutées dans la journée, des activités que vous avez faites avec Fitness Plus, des photos que vous avez prises dans la journée, un nouveau podcast que vous avez découvert. Tout ça va être dans les suggestions. Rien ne vous empêche de les utiliser, mais vous pouvez aussi noter ce qui vous incommode, noter ce qui est important pour vous. Et de vous montrer l'application pour ce type d'usage-là, c'est simple. Mais de vous dire pourquoi vous devriez l'utiliser, ça, c'est plus complexe. Et ça, je vais me référer à mes 10 ans d'expérience dans la création de podcasts qui parlent de l'amélioration du quotidien. Ça s'appelait ReLife. Je l'ai terminé récemment, mais les bons trucs, je les ai gardés et je vous les partage dans cette vidéo. Voici 7 trucs pour lesquels vous devriez utiliser un journal. En premier lieu, pour réduire le stress. Il arrive parfois qu'on ait des pensées qui prennent le dessus. C'est des pensées négatives. Ça nous cause de l'anxiété, du stress. J'appelle ça de l'ivresse mentale. On foule nos émotions, puis c'est nuisible, en bout de ligne, pour notre santé globale. Tenir un journal, ça nous permet d'exprimer tout ce qui se trouve en nous, y compris nos émotions, ce qu'on essaie de refouler, dans le fond. Puis, comme le carnet et le journal posent aucun jugement, on peut être authentique, sans crainte d'être rejeté ou blâmé. Le deuxième, c'est d'atteindre nos objectifs. Lorsqu'on a des objectifs à atteindre et qu'on tient un journal, ça peut nous aider à identifier les obstacles. Ça nous encourage à explorer nos pensées en profondeur. Ça nous encourage à nous interroger. Une fois qu'on est capable de traiter les problèmes intérieurs, on peut réfléchir à des moyens de les résoudre. Et ça, c'est pratique. Le journal, il nous permet de réviser nos erreurs passées, d'en tirer des enseignements et de choisir des solutions pour s'améliorer et progresser. Ça permet aussi de développer l'intelligence émotionnelle. Notre intelligence émotionnelle, elle repose sur notre capacité à reconnaître, et à comprendre et à gérer nos émotions ainsi que celles des autres. Le stress, l'anxiété, ça peut compromettre cette attitude. En résolvant des conflits internes, on développe de l'empathie, de la compassion. On est plus en mesure de mettre en place d'autres moyens pour réduire des réactions égoïstes. Ça aide à améliorer la mémoire. Quel type d'information avez-vous tendance à mieux retenir? Celle récemment présentée ou celle à laquelle vous avez été exposé et qu'on vous a demandé de reformuler? Vous savez, l'assurance compréhension. Dans une étude, 35 étudiants universitaires ont noté leurs sentiments et pensées sur leur vie universitaire pendant 7 semaines. Tandis qu'un autre groupe, il n'a rien fait. À la fin de l'expérience, le premier groupe a montré une amélioration plus marquée de la mémoire que le second. On dit aussi que ça renforce la santé physique et la réponse immunitaire. Tenir un journal intime peut avoir des effets positifs sur votre santé physique en améliorant votre capacité à lutter contre des maladies. Attendez, tout n'est pas dans le journal, mais bref. Cette influence bénéfique s'explique dans la régulation du niveau de stress et de nos réponses émotionnelles. En notant nos expériences et en cherchant activement des solutions dans notre journal, nous réduisons le stress et on atténue notre réaction face à celle-ci.
Ça nous aide à rehausser la créativité aussi. L'écriture, ça engage les deux côtés de notre cerveau. Le côté gauche pour l'aspect logique, l'analyse. Côté droit pour la créativité puis l'imagination. Le journal, ça exploite les deux aspects. Ça libère la créativité, ça favorise les liens mentaux, ça offre des perspectives différentes. En cas de blocage mental ou créatif, tenir un journal, ça peut réactiver la productivité cérébrale. Ça diminue les symptômes de la dépression. La rédaction quotidienne d'un journal peut contribuer à surmonter la dépression en offrant une voie pour libérer les émotions refoulées. Bien que cela ne garantisse pas la guérison complète, on comprend, cela peut considérablement atténuer les symptômes. En identifiant les déclencheurs de la dépression, le journal intime joue un rôle essentiel à la gestion de la maladie. Ça permet d'éviter ces facteurs autant que possible et de développer des stratégies pour les éviter ou les affronter. Voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que vous allez retenir des choses, que ce soit au niveau de l'application ou que ce soit de comment s'en servir ou pourquoi s'en servir. J'ai fait ça un petit peu différemment cette fois-ci. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo-là à d'autres personnes qui voudraient tenir un journal, qui veulent savoir pourquoi, qui veulent peut-être découvrir cette application-là. Je pense que la vidéo peut aider sur ces deux aspects. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à faire sonner la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, à dire merci avec l'option de contribution volontaire qu'il y a sur YouTube. Bref, on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'utilisez ou si cette vidéo vous a donné le goût de l'utiliser. Allez, ciao, ciao!